Vous connaissez certainement Pontorson, ville normande à proximité du Mont-Saint-Michel et de la Bretagne. Mais est-ce que vous savez que notre ville est avant tout une ancienne cité fortifiée avec un château? L'édification des premières fortifications sont destinées à contenir nos amis bretons. En effet, bretons et normands n'ont eu cesse de se battre entre 934 et 966 avant qu'une paix toute relative s'instaure entre les deux belligérants. En 1155, Henri Plantagenet fit réparer et augmenter les fortifications de la ville. Saint-Louis fera de même en 1256. Place forte protestante à la frontière de la Bretagne, Louis XIII ordonne la destruction de toutes les fortifications et de notre château le 3 octobre 1623. À notre grand malheur, fin 1625, il n'en reste plus rien de notre emblématique cité fortifiée. Si toi aussi tu aimes l'histoire de ta ville, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. À bientôt pour de nouvelles anecdotes historiques locales.